à l'heure de prononcer ce traditionnel mot de bienvenue à cette édition 2020 de la fête foraine de la cathédrale Saint-Antoine de Padoue de Ziguinchor, c'est un beau chant d'action de grâce qui s'élève de nos cœurs pour toutes les merveilles que le Seigneur nous a donné de vivre grâce à votre sollicitude soutenue, mais aussi pour les peines vécues et les difficultés surmontées. Le samedi 20 avril 2019, à quelques heures de la célébration de la vigile pascale, nous avons reçu la bonne nouvelle de la décision du chef de l'État, Son Excellence le président Macky Sall, de restaurer l'église cathédrale Saint-Antoine de Padoue, ce par le biais de la sollicitude du ministre secrétaire d'État Moïse Sarr, parrain de cette édition 2020 de notre fête foraine. Quelques mois auparavant, le vendredi 20 janvier 2019, Monsieur le maire Abdoulaye Baldé, vous avez souscrit à la construction du mur de clôture de la cathédrale Saint-Antoine de Padoue à hauteur de 2,5 millions, ce qui a boosté la construction de ce mur de clôture. Et le vendredi 25 octobre 2019, Monsieur le maire, vous nous avez fait l'honneur d'une visite de travail avec vos partenaires d'Arabie Saoudite, à l'issue de laquelle vous avez déclaré éligible notre projet de construction de salles polyvalentes, de bureaux, de salles de catéchèse et d'une nouvelle demeure des prêtres sise à la cathédrale Saint-Antoine de Padoue de Ziguinchor. Ces quelques points focaux ne peuvent pas effacer de nos mémoires toutes les actions menées à notre bénéfice et que nous passons ici sous silence.